L'ordre est absolument formel. Ces deux créatures, elles valent des millions dans le domaine des armements biologiques. Alors, si vous jouez le jeu, vous et moi, on pourra rentrer en héros. Et on sera riche pour la vie. Vous êtes cinglé, Burke, vous en rendez compte? Vous croyez que vous réussirez à faire entrer ces créatures malgré l'astro-quarantaine? Ils les laisseront passer, ces créatures ne sont pas répertoriées. Et moi, j'expliquerai tout, Burke. Ne rêvez pas. Ça, il reste. On saura que vous avez été responsable, vous seul, de la mort des 157 colons qui étaient ici. Minute, attendez. Vous les avez expédiés droit à la mort. Non, c'est faux. J'ai lu leurs archives sur ordinateur. Directive en date du 6 décembre 79, signée Burke. Avec votre code, vous avez envoyé ces malheureux ici sans leur dire quoi que ce soit. D'accord. Pourquoi ne les avez-vous pas prévenus? Réfléchissez. Qui aurait pu affirmer que tout ça existait? Qu'il y avait des monstres ici? Je ne savais rien. Bon, alors admettons que je clame partout qu'il y a des risques pour la sécurité ici. Tout le monde s'en mêle. L'administration s'en mêle. Les droits d'exclusivité disparaissent. Bon, et tout le monde y perd. Alors j'ai pris cette décision. Et c'était mal pensé. J'ai mal joué, Ripley. Oui, j'ai mal joué. Mal joué? Oui. Mais ces pauvres gens sont tous morts! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ici? Mais je vous promets que je ferai tout le nécessaire et vous paierai pour ça. Ce coup-ci, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Vous allez payer. Ripley. J'attendais un peu mieux de votre part. Je croyais que vous seriez plus futé que ça. Ah. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous décevoir.